Simplement rappeler qu'effectivement, l'année dernière, on a fait une saison exceptionnelle. Et je pense qu'on peut chercher, en tout cas moi j'ai cherché en Rhône-Alpes, sur les 19 équipes qui accèdent de la N3 à la R3 des divisions supérieures, il n'y a qu'une équipe qui a fait mieux, c'est celle qui a fini devant nous en championnat, puisque je vous rappelle qu'on a gagné 18 matchs pour 2 matchs nuls et seulement 2 défaites, qu'à l'extérieur le bilan c'est 11 victoires pour seulement une défaite. Et c'est vrai que quand on regarde en France, je pense qu'il n'y a pas d'autre équipe qui n'accède pas à la division supérieure avec un bilan comme ça, meilleure attaque également. Donc c'est une grosse frustration pour nous, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et en même temps, ça nous a poussé encore à aller plus loin dans l'excellence. Donc on est encore plus exigeant avec eux, mais je les félicite, les joueurs, parce qu'ils ont vraiment fait une saison exceptionnelle. Et puis là, ils sont partis pour en faire une autre, on espère. Même si c'est en gagnant moins de matchs, mais en montant, on sera très content, parce que faire déjà aussi bien que ce qu'on a fait avec 18 victoires, ça sera exceptionnel. Pour le reste, moi, je tiens à remercier les partenaires, parce que c'est vrai que depuis la création du club, la ville de Valence nous soutient. Et on a surtout aussi nos partenaires qui ont grossi, ce qui nous a permis de monter le beau projet qu'on a mis en place par rapport aux équipes de jeunes. Et cette année, c'est vrai que c'est une étape nouvelle franchie parce qu'au foot à 11, on n'a plus aucune équipe qui joue au niveau départemental. Donc là, vous pouvez regarder sur toutes les stats dans tout Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense qu'aujourd'hui, on est un club respecté en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a très peu de clubs qui sont à même. Donc en district d'Ormardèche, ça n'existe pas. Mais même dans la région Rhône-Alpes, on a dit qu'on voulait être dans le top 5 des clubs formateurs amateurs. Je pense qu'aujourd'hui, on y est et largement. Donc on est très content et très fier de ça. Maintenant, je vais vous présenter les joueurs, parce que c'est quand même eux qui vont être sur le terrain dès samedi. On reçoit Valais de Grèce à 18h, donc on vous encourage à venir nous voir. On a marqué 60 buts l'année dernière, il y a quand même du spectacle sur Pompidou. Donc je vais vous les présenter par ordre de poste, et puis on vous dira un petit peu qui ils sont. Sur les stats, c'est très bien, on est très fiers aussi. 22,8 ans de moyenne d'âge, donc une équipe très jeune. 18 joueurs formés à Valence, c'est-à-dire 70% des joueurs ont été formés à Valence, donc notre club, notre nouveau club, mais également les clubs précédents, soit certains qui étaient à la SOA à Valence qui sont revenus, soit l'AS Valence. Donc c'est 70%. Et une stat intéressante, 12 joueurs formés à l'Olympique de Valence. Donc le club, il a 4 ans. Il y a déjà 12 joueurs en équipe Fagnon qui ont été formés par l'Olympique de Valence. Donc ça, on peut en être particulièrement fiers. C'est presque la moitié de l'effectif. Voilà. Donc je vais vous les présenter, comme ça, vous allez faire plus connaissance avec eux. Donc on a un nouveau gardien, c'est Adrien Chaussy. Donc c'est un joueur qui a démarré jeune en senior, qui joue à Rhône-Vallée, donc au niveau au-dessus, en R1, qui a fait toute une parcours de saison, plusieurs saisons en R1 à Rhône-Vallée, qui avait signé à Cré, et qu'on a récupéré cette année, donc gardien de but. Pas grand par la taille, mais vous verrez, un très bon gardien de but, très bon dans ses relances, très sûr techniquement, et qui communique bien. On en est très content de le recevoir. Voilà. Merci. Et il a une tâche rude parce qu'il est en concurrence quand même avec un autre gardien qui est formé au club, Nicolas Terme. Voilà. Donc lui, il était U19 l'année dernière, il monte senior, il était déjà gardien de notre équipe, de notre groupe senior l'année dernière. Toute sa formation faite au club olympique de Valence. Donc il a suivi son cursus et donc pas aussi une grande taille, mais les mêmes qualités qu'Adrien. Donc ils vont se tirer la bourre tous les deux. On a deux très bons gardiens, on est armés pour cette équipe-là et pour faire une bonne saison. Voilà. Ensuite, on a un pur valentinois, mais qui n'est pas là parce qu'il est infirmier, qui travaille et puis qu'il a quand même une semaine de vacances. C'est Julien Argaud, le papa est présent ici et qui donc pouvait pas être là ce soir. Et pareil, qui a 25 ans, mais un joueur vraiment pur produit valentinois. Et en défenseur axial, on a Alain Brunel, là, joueur aussi formé à Valence, qui était U19 l'année dernière, donc il est U20, un gaucher, voilà, très bon défenseur central qui a joué beaucoup de matchs l'année dernière et qui sera cette année aussi dans notre groupe. Mathieu Donte. Lui, c'est la denrée rare, parce que c'est un des rares qui n'a pas été formé à Valence. Il y a été en très jeune, il a été à Valence, hein, quand même. Il a été à Valence, il est revenu, il est parti à Cournasse. On l'a retrouvé avec nous depuis 2 ans. C'est un défenseur latéral gauche qui prend beaucoup le couloir, qui est infatigable et un très bon élément de notre groupe. Vous le verrez quand vous viendrez le voir jouer à Pompidou. Voilà. Lilian Rank, il est là, Lilian. Voilà, une de grands gabarits, lui aussi, qui vient de l'Ardèche, puisqu'il a joué à Cournasse pas mal d'années. Défenseur axial aussi, qui a fait pas mal de matchs en deuxième partie de saison avec nous, et qui est aussi dans notre groupe un bon défenseur axial avec beaucoup de technicité dans la relance. Voilà. Alors on a Gaëtan Guffroy qui nous a quittés, qui était le capitaine de la deuxième partie de saison quand notre capitaine s'est blessé. Il a été remplacé par un valeureux joueur aussi, qui était déjà l'année dernière, Samuel Redondo, lui formé à Valence aussi, qui était parti à Rhône-Vallée en R1. C'est notre, on l'a recentré défenseur central et c'est notre capitaine pour cette nouvelle saison. On peut compter, pardon. Brice Froment, jeune formé au club, passé par le PFA. Il est où, Brice? Voilà. Donc Brice Froment qui intègre le groupe cette année, qui était U19 l'année dernière, U20 aussi. Pur produit du club. Il prend de la place derrière, il va très vite. Donc très content qu'il arrive aussi dans le groupe.
et en espérant qu'il fasse quelques matchs avec nous et qu'il fasse une belle saison avec nous. Il va gagner en expérience, et sinon il y aura aussi la R3 qui pourra lui permettre de gagner de l'expérience avec l'équipe réserve. Voilà. Je vais en profiter pour remercier Jean-François et Jean-François Vallée et le comité, puisque le PFA, notre structure de filière de formation, c'est toujours en partenariat avec le district, et aujourd'hui il voit le fruit du travail qui a été fait, et donc ça, c'est toujours intéressant. Donc là, Loni Kenabio, jeune joueur, il était U17 national l'année dernière, c'est le seul qui est rentré directement par la case équipe senior 1, il y en a qui sont en senior 2. Loni, c'est un latéral droit infatigable, vous le verrez, très jeune mais déjà très gaillard, très costaud. Donc voilà, bah, pareil, pur produit de la formation du club, lui il est arrivé encore plus jeune. Voilà, bah, c'est un bel exemple aussi pour cette saison. Il va démarrer samedi, vous pourrez le voir jouer, très intéressant. Thomas Fortier, un axial gauche, défenseur axial, ancien capitaine, s'est fait fracture de la clavicule. Il est donc le pauvre, il s'était double fracture l'année dernière, il s'est refait après qu'il était revenu. Il reprend tout juste, mais lui aussi il travaille, donc il ne pouvait pas être là ce soir. Mais Tom sera toujours avec nous. Julien Berthaud, autre jeune de la formation du club, U18 lui. U18, donc c'est-à-dire qu'il est encore U19, il peut jouer encore en catégorie 19, arrière gauche. Ça va permettre à... Il a mis un petit peu de concurrence à notre Mathieu Donte, là, on avait beaucoup tiré sur lui l'année dernière, et aujourd'hui, grâce au match amico, ben, on a pu partager le temps de jeu. Et Julien, pareil, il va se faire la dent au monde senior, et ça va être très intéressant dans le couloir gauche. Il amène de la concurrence à ce poste. Jérémy Girouin. Voilà. Donc lui, pareil, qui revient au club, et qui avait été formé à Valence, qui avait joué à Rhône-Vallée, au niveau au-dessus, R1, et l'année dernière, c'est une de nos recrues de cette année encore, puisque l'année dernière, le pauvre, il s'est blessé en préparation, donc il a pu faire zéro match avec nous. Aujourd'hui, ils sont prêts, donc il va reprendre la compétition tout doucement, mais on est très contents. Voilà, donc c'est un défenseur central qui va nous rejoindre, et qui va être compétitif au cours de la saison. Là, il va démarrer en R3, et puis après se faire la dent, et il sera très rapidement compétitif. Voilà. On a un petit jeune Alexis Antunes qui s'était fait les croisés aussi, qui n'est pas là ce soir, jeune U18, qui a rechuté lui malheureusement, qui fera partie du groupe, mais qui sera indisponible sur toute la saison. On passe au milieu de terrain, Nico Imbertèche. Alors lui, il a une particularité, vous allez le voir samedi. Alors ceux qui veulent le voir jouer cette année, il faut venir samedi. Sinon, il faut revenir en avril parce qu'il part en Australie pour le boulot pendant 5-6 mois. Donc c'était un joueur d'expérience, milieu défensif, qui a beaucoup progressé depuis qu'il est au club, je trouve, et qui est vraiment là, à pleine maturité. C'est dommage qu'il nous quitte pendant 5 mois. Mais voilà, je le remercie parce qu'il fait le tuilage avec les jeunes. C'est quelqu'un d'exemplaire et de très convivial. Il fait partie de la convivialité, il fait partie du foot. Et il a ça en lui et en même temps, il est très rigoureux sur ce qu'il faut faire sur le terrain. Donc voilà, donc bonne expérience en Australie, mais il sera là samedi. Je vais accélérer la cadence parce qu'on a du monde, nous, dans notre groupe. Mais Rémi Gachet, il est où? Jeune formé au club. Il est passé juste senior cette année, jouait déjà l'année dernière, il a fait toute la deuxième partie de saison, un bon joueur techniquement, même si sur la technique et le viol, encore, hein, il va bosser, mais voilà, très bon joueur, il va vite, il est voilà, très précieux dans le couloir, ça en fait un joker ou un titulaire quand il démarre, mais très intéressant. Voilà. Et pareil, passé par toutes nos formations. Hein. Valginé, c'est notre charognard ardéchois, mais qu'on a récupéré en Drôme dès la seconde. Voilà, donc il y a un gros volume de jeu et qui est voilà, des joueurs qui sont très utiles dans une équipe. Et il a la particularité d'être éducateur chez nous aussi, donc service civique chez nous, AED aussi dans le collège Jean Zé. Il travaille avec nos filières d'excellence, avec nos jeunes de quartier prioritaires. Et il aura l'équipe U12 cette année, U13. Voilà. Et il a fait son BPJEPS en apprentissage. Chez nous, on a financé son BPJEPS en apprentissage. Voilà la particularité. Alors, une des grosses recrues de cette année aussi, Mathias Degage, parce qu'on a eu 3 nouveaux joueurs et 6 jeunes dans le groupe. Donc les jeunes sont aussi nos recrues. Mathias Degage, lui, il a un gros vécu de foot puisqu'il a été formé à la SSE. Il a joué à Andrézieux, donc au niveau N2 aujourd'hui, donc avec ce CFA. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a ensuite fait plusieurs saisons à Rhône-Vallée où il a été régulièrement le meilleur joueur et un des meilleurs buteurs. Et ben, il a voulu nous rejoindre, il a 31 ans aujourd'hui. Donc il a encore à pleine maturité et encore plein de belles choses à vivre avec nous. Il va grandir avec nous et faire grandir nos petits jeunes. Donc on est très content de l'avoir, on a beaucoup de techniques individuelles, de capacités à éliminer. Et en plus, il sait défendre maintenant, il a montré à Nico qu'il savait défendre. Hein, il aime ça aussi maintenant, voilà. Donc on est très content de l'avoir avec nous. Nicolas Régnier, un milieu défensif très bon techniquement, un futur jeune. Alors lui, c'est pur produit du club. À quel âge t'es arrivé au club ? Depuis l'âge de 6 ans. Voilà. Et lui, pour lui, jouer dans l'équipe Fagnon du club et être sur Pompidou, ça représente quelque chose. Et on est très content parce qu'il le mérite. Donc il a encore eu 19. Et il est avec notre groupe. Il va s'aguerrir cette saison. Voilà, un très bon joueur. Voilà aussi, que vous découvrirez.
Loïc Manin reste dans l'effectif. C'est un milieu excentré gauche qui a joué. C'est lui qui a joué le plus de matchs l'année dernière. Joueur très utile, mais qui est en STAPS à Grenoble. Donc il a fait l'entraînement hier, il fait l'entraînement demain. On l'a quand même autorisé à rester à Grenoble pour ses études. Et on le retrouvera demain à l'entraînement. Donc il n'a pas pu être là ce soir. Après, on a notre plus grand gabarit, Maktar Séné. Il est là. Voilà. Lui qui revient d'une rupture du tendon aussi, du genou. Il a fait tous les efforts nécessaires pour faire toute sa rééducation à fond remue. Il est parti là-bas, il a pris des vacances là-bas. Non, il a beaucoup bossé. Ça va être long parce qu'il a été blessé plus d'un an. Donc, il faudra être patient. Mais en tout cas, on est très content parce qu'il fait le tuilage aussi pour les jeunes de notre groupe. Et il va être très utile à l'ensemble du club. Un milieu défensif, récupérateur, avec de bonnes qualités techniques et athlétiques. Voilà. Autre milieu qui revient, Benjamin Reynaud, qui revient aussi lui de double entorse. Alors lui, c'est Robocop, on le surnomme. Entorse du genou, ligament croisé, la cheville, opéré de la cheville en janvier. Par contre, il est assistant d'éducation à Brifo, c'est notre coach U16. Donc là, il est d'internat ce soir, donc il n'a pas pu être là. Il s'occupe de nos petits jeunes à l'internat. Voilà, mais aussi lui, il revient, il est en pleine forme. Donc lui, il va pouvoir reprendre le championnat très rapidement. Donc on est très content aussi, parce qu'il a fait une recrue supplémentaire, puisqu'il revient de blessure. Ensuite, on a Sarri Vivant. Il est où? Alors, il a le mérite d'être mon neveu. Alors, il n'a pas de chance parce que on me dit que je suis plus dur avec lui qu'avec les autres. Voilà. Mais par contre, c'est un milieu récupérateur. Lui est pur produit valentinois parce qu'il a été formé à Valensole aussi. Il est parti à Nîmes. Il est revenu là dans l'effectif depuis 2-3 ans avec nous. Pareil, jeune U20, beaucoup de volume de jeu. Et puis, venez le voir aussi. Avec Val, ça fait une bonne paire de charognards au milieu de terrain. Hein, on en aura besoin. Voilà. Dylan Moreira, une recrue aussi qui arrive de Bourg-Péage, mais qui était en jeune chez nous à Valence, en U17 national, quoi, à l'époque où il était en national, U14 fédéraux exactement. Et il revient aussi avec nous, un milieu de récupérateur ou un peu plus haut sur le terrain, gaucher, très bon dans les coups de pied arrêtés également, qui rejoint le club et donc qui a été blessé là, mais qui va, donc il va prendre le rythme au fur et à mesure de la saison. Voilà, on est très content aussi de l'avoir avec nous. Et c'est le dernier milieu de terrain que je vais vous présenter. Il y a moins d'attaquants, ça va aller plus vite. Alors Marwan Benida, lui il a la particularité, si vous venez le voir, c'est 21 buts l'année dernière, donc meilleur buteur Rhône-Alpes. Donc on est très content de l'avoir gardé, c'est une belle recrue de l'avoir gardé, parce que je vous avoue qu'il y en a certains qui ont essayé de nous le shipper quand même, donc c'est bien qu'à Valence on puisse le garder. Là je remercie nos partenaires, la ville pour l'aide qu'on a, mais surtout aussi nos partenaires, et puis tout ce qu'on peut faire dans ressources, dans les emplois, parce que c'est une force. À des moments, ça nous permet de lutter avec d'autres clubs. Quand on est capable d'offrir des emplois à des jeunes, etc., c'est aussi une force. Donc, nos partenaires, merci, parce que ça nous permet aussi. Donc, lui, il est AED sur Brifo également. Et donc, il va entraîner notre section futsal. Donc, il va passer aussi ses diplômes d'éducateur. Et puis, on a marqué 7 buts en préparation. Donc, j'engueule un peu les joueurs, parce que j'en ai un peu marre qu'ils marquent. Donc, j'ai dit qu'ils continuent à marquer autant, mais aussi que les autres marquent des buts, parce que sur les 7 buts qu'on a marqués, il en a mis 5. Donc, il faut que lui continue à en mettre autant, mais que les autres aussi se mettent à en mettre. Comme ça, on est tranquille ensuite. Voilà. Voilà, donc félicitations Marwan. Formé au PFA aussi, hein, formé chez nous à Valence au PFA. Voilà. Noamen Benmida, c'est son frère en fait. Le frère, on l'a formé au club aussi. Voilà. Et il monte des U19 l'année dernière. Et puis c'est une famille de buteurs, parce que c'était le meilleur buteur de nos U19 avec 13 buts l'année dernière. Donc là, il a mérité de monter dans le groupe Fagnon. Il va se faire la dent aussi avec le monde senior. Et ben, on espère qu'il va en marquer autant en senior qu'en U19, que ce soit avec la R3 ou avec la R2 quand tu vas jouer avec la R2. Donc à toi de t'accrocher pour essayer de chasser les vieux qui jouent devant, ou alors chasser ton frère. Mais là, il faut marquer plus de 21 buts. Voilà. OK. Maxime Friol, notre deuxième meilleur buteur de l'an dernier, ben lui, il est malade depuis hier, le pauvre. Donc, il ne s'est pas entraîné hier et là, il est malade. Il n'a pas pu venir ce soir. Un jeune qui était Mourçois à l'époque et qui on a récupéré il y a 2-3 ans, mais qui s'est vite fait au rythme et qui devient aujourd'hui très intéressant. Voilà, une bonne complémentarité avec nos autres attaquants, mais qui n'a pas pu être là ce soir. Et enfin, on a Walid Mesny, qui a été blessé longtemps l'année dernière. Lui aussi, formé au club de l'AS Valence à l'époque, qui était parti à Rhône-Vallée, qui a joué très longtemps du coup en R1. Et là, il est en pleine bourre. Il avait repris depuis mars. Il avait fait quelques matchs en fin de saison. Et là, vraiment, ça y est, il a récupéré tout son entrain. Donc, on est très content aussi, parce que ça fait une plus-value. Donc, beaucoup de concurrence dans nos postes offensifs cette saison. Voilà. Avec Walid, qui est un beau gabarit. Dernière personne à vous présenter, les deux qui ont pu être là, c'est Nico Rouveur, qui est mon adjoint, qui était à l'époque de l'AS Valence. Voilà, c'est quelqu'un de très performant, très content d'être avec lui. Et Mathieu Sylvestre, qui lui avait des obligations professionnelles ce soir, n'a pas pu venir et qui est en charge des gardiens de but. Puis on a le Doc Magakian, voilà, qui est là. Doc, venez, faites partie de l'organigramme. Notre kiné ne pouvait pas être là.
Pareil, le doc, ça fait longtemps. Il était là à l'époque de l'AD2 de la Soie Valence et il ne nous a jamais quittés. Je l'ai recontacté quand on a créé le club et c'est vraiment quelqu'un d'une grande valeur avec notre kiné Laurent Giroux qui bosse ce soir, qui ne pouvait pas être là. Voilà. Roger Ferny, je remercie nos dirigeants Lucien Benyaya et Laurent Sève qui sont là, et puis Nasser Filali qui gère la vidéo chez nous, parce que sans eux, on n'est pas grand-chose, et l'ensemble des bénévoles du club. Voilà, merci à tous. Allez Jean-Marie, une nouvelle saison là qui commence pour l'Olympique de Valence. On a vu la présentation des joueurs. Eh bien écoute, on aurait aimé recueillir un petit peu ton sentiment finalement sur cette nouvelle équipe ces 4 années de fonctionnement. Peut-être vous rentrez dans la 5e année de fonctionnement là. Oui. Moi je suis très fier de la composition de ce groupe. On a mis en place ce qui était notre projet. Malik a beaucoup travaillé là-dessus. Aujourd'hui on alimente notre équipe senior avec des jeunes issus de la formation du club. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire. On est convaincu que ça nous aidera à remonter les échelons. C'est une bonne chose pour eux, c'est une très bonne chose pour nous. Moi je suis très fier de ce qui se passe au niveau du groupe senior, mais bon, on ne peut pas avoir tout le monde dans la salle non plus, mais le travail qui est chez les jeunes, il continue à être extraordinaire. Les féminines, on peut en parler un petit peu, on y reviendra si tu veux. Oui. Mais voilà, tout marche très bien. Je suis très content. Alors, il y a l'équipe senior, il y a aussi les équipes inférieures, on va dire comme ça, avec aussi le centre de formation dont sont issus pas mal de jeunes dont tu as pu nous faire le découvrir. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a toutes nos équipes de jeunes au plus haut niveau. On parle souvent de nos 17 en championnat de France. Ils ont fait une très grosse performance l'an dernier. Leur groupe il s'est renouvelé et il sera aussi compétitif cette année. C'est pas le hasard, c'est le travail. Nos jeunes ils s'entraînent plus que les autres. On est aussi un club attractif, donc ça nous permet d'étendre un peu le rayon du recrutement chez les jeunes. Et ça fonctionne. Effectivement, Malik l'a dit tout à l'heure, on voulait être dans le top 5 des clubs formateurs en Rhône-Alpes. On y est aujourd'hui, on est respecté. On a les grands clubs, l'Olympique Lyonnais, la Saint-Etienne, la Gioxer, ils viennent rencontrer les Rouges à Valence. C'est pas facile pour eux en plus. Donc on est très satisfaits de tout ça. Ouais. Bon, Jean-Marie, merci beaucoup pour ces quelques mots. Et puis, on vous souhaite une bonne saison finalement cette année avec une montée, on va l'espérer. On va faire le maximum en tout cas. Merci. Jean-François, on parle un petit peu football évidemment. Président, je rappelle, du district Dromardèche de football avec cette équipe de l'Olympique de Valence. Et cette présentation, on parle de club de formation. Il y a tout aujourd'hui pour réussir en Dromardèche en ce qui concerne le football. Oui, absolument. C'est vrai que l'objectif qui a été fixé, notamment au début de l'Olympique de Valence, c'était d'axer le club sur la formation. Et on peut que constater que c'est une réussite complète, avec que des résultats, le président Verne l'a rappelé, avec que des montées. C'est assez exceptionnel dans un club. Et puis en plus, avec 70% des joueurs qui sont issus du club, véritablement, le challenge est d'ores et déjà gagné, même si maintenant, il faut encore se tourner vers l'avenir. Et nous, District Dromardèche, ce club en national, à minima, je veux dire, il faut qu'on arrive à avoir ce club qui va représenter le district. Alors, cette année, peut-être qu'on aura des bonnes surprises avec le championnat R1, peut-être qu'il y a d'autres clubs qui vont peut-être émerger, on le souhaite, mais l'Olympique de Valence a tous les atouts pour réussir au plus haut niveau. Alors on l'espère, on parlait avec Jean-Marie d'une montée éventuelle, mais c'est vrai que l'année dernière, ils n'ont pas eu de chance avec l'ensemble des victoires. Je crois qu'il y a 19 victoires sans pouvoir accéder à la montée, c'est du jamais vu. Absolument, ils sont tombés sur une équipe de Limonest qui a fait un parcours exceptionnel et on guettait justement le faux pas de Limonest, on l'a guetté toute la saison et puis il n'est pas venu. Ils ont été d'une régularité exemplaire. Certes, pas avec les moyens de l'Olympique de Valence. L'Olympique de Valence était axé sur la formation. Limonest était axé sur des moyens financiers qui étaient différents et leur objectif était différent puisque c'était, il faut le signaler, l'équipe réserve. Donc je pense qu'ils ont eu un mécénat assez exceptionnel pour en arriver là. Bon, merci Jean-François pour ces quelques messages en tous les cas. Puis on se retrouvera, je pense, cette année pour des événements en Dromardèche d'ailleurs. On peut peut-être un peu en parler là, 2 minutes. Oui, tout à fait. Le district Dromardèche, on entame une saison sous les meilleurs auspices. On a un plan de communication qui vient de sortir justement sur le district Dromardèche qui va être assez conséquent. On a des satisfactions déjà en tout début de saison, notamment sur les arbitres. Il y a une assemblée générale des arbitres samedi et on a des résultats probants. On a une organisation au niveau des compétitions qui va bien. Donc pour l'instant, tous les clignotants sont au vert. Voilà, il reste à voir que dans la saison, on n'ait pas trop de comportements déviants comme on a eu la saison dernière. Voilà.
Bon, eh bien, écoute, on va suivre ça de près de l'actualité du district. Merci beaucoup, Jean-François. Je tiens à remercier et les féliciter tous ces jeunes qui ont fait une excellente année. Moi, j'ai toujours été surprise, surtout lors de l'Assemblée générale, de voir qu'il y avait autant donc, de jeunes qui étaient motivés et puis surtout que c'est quand même un club formateur. Alors, je sais qu'ils portent le nom de comité donc, olympique et franchement, je leur souhaite vraiment de continuer l'année prochaine cette même carrière, de continuer à nous faire vibrer et surtout qu'ils aillent très loin dans ce qu'ils ont entrepris. Voilà. Il faut espérer la montée cette année, Odette. Ah ben, la montée, certainement. Surtout que d'après ce que j'entends, au niveau financier, je pense que ça se passe pas si mal. Je crois, j'en sais rien. Mais toujours est-il, voilà, bravo. Et surtout la montée avec des jeunes aussi motivés. Il n'y a pas de problème. L'Olympique de Valence qu'on célèbre ce soir, c'est des statistiques absolument affolantes parce que tous les voyants sont toujours au vert avec l'Olympique. C'est justement cette équipe première avec énormément de joueurs qui sont issus de la formation, alors que c'est quand même un club jeune. Et puis voilà des statistiques pour la saison dernière absolument remarquables, alors avec effectivement ce petit couac de fin de saison, la non montée de l'équipe alors qu'elle l'aurait amplement mérité. Voilà, mais peu importe. Comme je l'ai souligné tout à l'heure en amorce de la réception, c'est un club qui a une trajectoire d'excellence et sans coup férir, ils suivent à la perfection leur trajectoire d'excellence et donc c'est pour un adjoint au sport c'est du bonheur en branche quoi. Donc moi samedi je serai au bord du terrain. J'allais dire comme d'habitude non parce que je leur fais des fois des petites infidélités mais en tout cas c'est toujours avec un immense plaisir que je retrouve l'Olympique de Valence et c'est toujours des super moments parce qu'il suffit que je reste 10 minutes au bord du stade et crac, il y a 3 buts quoi, donc c'est génial. C'est vrai que Valence, c'est une équipe qui est attendue maintenant, après ces 4 années de fonctionnement, rentre sur la 5e année. Mais malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, le football représente beaucoup, beaucoup de clubs qui ont envie dans cette région. Et malheureusement, Valence, on a fait les frais la saison dernière avec Limonest, puisque c'est Limonest qui a monté. Mais on espère finalement quand même de belles rencontres au stade Georges Pompidou cette année. Oui, il y aura assurément de belles rencontres, il y aura beaucoup de victoires. Et ce qu'il faut retenir au jour d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'Olympique de Valence a posé ses bases. Et ses bases sont incroyablement solides, beaucoup plus que n'importe quel autre club. Donc, y a une justice dans tout ça. Et vous allez voir, ça sera de mieux en mieux. C'est sûr et certain. Bon, allez, on va suivre le club cette année. Merci beaucoup, Renaud, pour cette interview. Eh ben, merci à vous et à bientôt au bord des terrains. Moi, je suis très heureux de voir que ce club s'inscrit dans la durée. C'était le challenge. Ça veut dire qu'il fallait évidemment relever le défi de recréer un club dans une situation particulière. J'y reviens pas plus longtemps. On a tous traversé cette période avec beaucoup d'émotions et de doutes sur l'avenir. Recréer le club, c'était le premier défi. Le deuxième, c'était évidemment de le pérenniser et de non seulement l'inscrire dans la durée, mais aussi dans la qualité. La qualité sur le niveau de jeu, bien sûr, mais donc la qualité sur la formation, la qualité sur celles et ceux qui s'investissent, les dirigeants que je veux saluer, les bénévoles. Et je crois que ce défi aussi-là a été relevé de main de maître et on en a une fois de plus la démonstration. Je voudrais évidemment saluer les très nombreux élus qui sont présents. Véronique Pujat, la première adjointe et vice-présidente du département. Franck Soulignac, adjoint au maire, conseiller départemental. Sylvain Fauriel, adjoint au maire. Renaud Pouteau, adjoint au maire. Saluer les dirigeants du monde sportif. Je salue Odette Durand, donc présidente du comité départemental olympique et sportif. Monsieur le président du district, bienvenue à l'hôtel de ville de Valence. On est ravis de vous accueillir ce soir. Jean-Marc Abattu, président de l'Office des sports valentinois. Jean-Didier Mazuka et bien sûr Michel en charge du haut niveau. Vous remerciez toutes et tous, les chefs d'entreprise, les partenaires et puis toutes celles et tous ceux qui font la vie du club au quotidien pour votre présence aujourd'hui aux côtés de l'équipe 1 de l'Olympique de Valence. L'équipe 1 parce que c'est elle qui porte le drapeau haut, fort et loin de ce club, mais aussi nous avons à l'esprit toutes celles et tous ceux qui font la vie du club au quotidien, les autres équipes, celles dont Malik a parlé à l'instant. Jean-Marie a rappelé le palmarès de l'an passé, avec les accessions des équipes U19 et de l'équipe réserve senior. Ce sont de belles performances. De très belles performances aussi qui sont celles de l'équipe féminine et de l'équipe 1. Jusqu'au dernier match, nous espérions tous collectivement la montée.
On se les fait prendre devant le nez, on peut le dire, sous le nez. Ça fait plusieurs années qu'on court après, que vous courez après particulièrement, que vous battez pour l'obtenir. Moi, je suis certain que la récompense viendra. Il y a une morale dans le sport, comme dans toute activité, il y a une morale. Et à un moment, vous allez réussir. Vous le méritez parce que la performance sportive est au rendez-vous régulièrement. Tu as rappelé ce nombre de matchs gagnés impressionnants qui auraient justifié que vous accédiez au niveau supérieur, mais aussi parce que la qualité de formation est là, parce que les jeunes qui constituent l'équipe, vous l'avez rappelé à l'instant, sont des jeunes qui ont été formés ici, et moi j'y attache beaucoup d'importance. C'est terminé cette époque de mercenaires où finalement la quasi-totalité des budgets des clubs étaient dépensés à payer des gens qui venaient de l'extérieur. C'est important de reconnaître le travail qui est fait ici. C'est important aussi que les jeunes qui sont formés au club voient qu'ils ont un avenir qui est incarné parfaitement par ces jeunes qui ont déjà parcouru les terrains de foot avant dans les équipes de niveau inférieur pour accéder aujourd'hui à l'équipe 1. Donc chacune et chacun des jeunes qui jouent dans le club, et je dis bien chacune parce que je sais que vous avez un effectif féminin extrêmement important, peut espérer accéder au plus haut niveau ensuite dans son club. Et je crois que c'est particulièrement motivant. C'est aussi ce qui fait la qualité et puis l'exception que tu soulignais tout à l'heure du club de l'Olympique de Valence. Évidemment, je veux saluer à nouveau les partenaires privés. La ville de Valence vous accompagne et vous accompagne de façon conséquente au regard des moyens qui sont les siens et du niveau aussi auquel vous évoluez. Mais je sais que la majeure partie des ressources du club, c'est vous qui les trouvez, c'est vous qui vous battez au quotidien pour les trouver. Vous les trouvez avec toutes les ressources et toutes les pistes possibles, et notamment avec les partenaires privés, les chefs d'entreprise qui acceptent d'accorder une partie de leur budget partenariat à l'épanouissement du club à Valence et du sport à Valence en général. C'est une action citoyenne que vous avez et que je veux saluer et remercier. Alors, cette année, ça a été dit tout à l'heure par Jean-Marie, on a eu le plaisir de livrer, dans les 12 derniers mois en tout cas, deux investissements extrêmement forts. D'abord, le second terrain synthétique. Le premier était bien prévu par nos prédécesseurs, avait été livré. Le second n'était pas prévu et on l'a rajouté dans le programme de mandat pour un investissement total de 950 000 euros. Il a été soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis là, un second investissement qui est en cours. Ce sont près de 146 000 ou 150 000 euros qui sont investis pour le club Aouz. Vous participez largement, le club, c'est à souligner parce que c'est extrêmement rare et vous tenez l'engagement qui avait été pris à hauteur de 30%. On a bénéficié du soutien de la Fédération française de foot également et je veux vous remercier évidemment à la personne du président du district. C'est important que vous trouviez enfin un lieu, j'allais dire agréable, après les matchs, avant les matchs, pendant les matchs pour recevoir les équipes qui viennent ici à Valence, mais aussi les joueurs et les bénévoles. Je suis sûr que vous vous trouvez bien quand même dans cette équipement exceptionnel qui est le stade Pompidou. J'espère que ça va vous permettre d'accomplir encore de très belles performances. C'est ce qu'on vous souhaite. Vous savez que la municipalité et même le conseil municipal en général vous soutiennent puisque les délibérations sont toujours votées à l'unanimité. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Pleine réussite à vous. La devise de la ville de Valence, c'est Inguibus et Rostro, ça veut dire bec et ongle. Et ben, je vous souhaite de vous battre bec et ongle pour atteindre le plus haut niveau. La ville de Valence sera évidemment à vos côtés. Merci.